C'est l'un des édifices les plus audacieux de tous les temps. Un défi technique qui a marqué le début de la Renaissance. Le dôme de la cathédrale de Florence, bâti il y a 600 ans, non pas par un architecte, mais par un orfèvre qui se mesura à l'impossible. Il s'est lancé dans la construction de ce dôme alors que la technologie de l'époque ne le permettait pas. En théorie, c'était impossible. Faite de 4 millions de briques, pour un poids d'environ 37 000 tonnes, c'est la plus grande coupole de maçonnerie au monde. Mais aujourd'hui encore, les méthodes employées demeurent mystérieuses. Un chercheur, fasciné par les secrets du dôme, s'est entouré d'une équipe de maçons pour mettre à l'épreuve sa théorie. Posez les briques ici. J'ai dû chercher par moi-même, parce que l'architecte n'a laissé aucune trace écrite. Nulle part. Ça doit être comme ça qu'il a fait. Il n'y a pas d'autre solution. Florence, en Toscane. Depuis des siècles, on vient s'émerveiller des chefs-d'œuvre de la Renaissance à Florence. Il y a 600 ans, cette ville a connu une révolution artistique sans précédent. C'était la patrie de Léonard de Vinci et de Michel-Ange, un foyer de créativité et d'innovation. On pense que la Renaissance a réellement débuté à Florence avec la construction du plus célèbre de ses monuments, le dôme de Santa Maria del Fiore. Édifié 60 ans avant que Christophe Colomb découvre l'Amérique, le dôme reste le plus imposant dans son genre. C'est un symbole entouré de mystères, parce qu'on ne sait pas avec certitude comment il a été construit. Certains aspects du dôme sont frappants. 8 arcs en forme d'ogive se rejoignent au sommet sous un énorme lanternon de marbre. Mais ce qui est caché est tout aussi remarquable. La couverture de tuiles dissimule des parois constituées de 4 millions de briques. Et cette structure, qui semble d'un seul tenant, se compose en réalité de 2 dômes imbriqués l'un dans l'autre. La coupole intérieure surplombe un vide d'une 40aine de mètres d'envergure. Le dôme extérieur s'élève 33 mètres au-dessus des murs de la cathédrale. Comment pouvait-on travailler à de telles hauteurs il y a 6 siècles? Comment les architectes de l'époque savaient-ils que les 8 arcs allaient se rejoindre au sommet et que ces parois escarpées pourraient tenir sans s'effondrer? Avec ce dôme, Florence a pris un cap résolument moderne. C'est le symbole d'une ville nouvelle, d'un nouveau monde. Il s'élance, si audacieux, si parfait qu'on dirait un ouvrage divin. Et pourtant, c'est l'œuvre d'un homme, un génie méconnu et énigmatique.
Il s'appelait Filippo Brunelleschi. C'était un orfèvre qui n'était pas spécialisé en architecture. Et pourtant, il s'est attaqué à l'impossible. Il a réussi à faire tenir 37 000 tonnes de maçonnerie penchées au-dessus du vide sans s'effondrer. Les spécialistes continuent à se demander comment il s'y est pris. Il se lance dans la construction de ce dôme alors que la technologie de l'époque ne le permet pas. Comment a-t-il fait? En théorie, c'était impossible. De l'avis général, Filippo Brunelleschi était un homme secret et méfiant. Contrairement à Léonard de Vinci, il n'a laissé aucune note, aucune esquisse, aucune maquette derrière lui. Et depuis la construction de ce dôme, les chercheurs ont essayé d'en percer le secret. Brunelleschi a un tel prestige à Florence que l'on célèbre chaque année l'anniversaire de sa mort. La procession se rend sur sa tombe, au cœur de la grande cathédrale. En tête du cortège, Massimo Ricci, professeur d'architecture à l'Université de Florence. Ricci a passé 40 ans de sa vie à essayer de comprendre les méthodes du maître. Pour lui, Brunelleschi est devenu une obsession. Étudier la coupole est un véritable défi. On doit se mesurer à l'esprit qui l'a conçu. S'imaginer la façon de penser d'un créateur hors norme. C'est un peu effrayant. Mais en même temps, cela m'inspire un immense respect pour ce génie. Le mystère du dôme le passionne au point d'entreprendre la construction de son propre modèle réduit dans un parc près de Florence. La construction a commencé en 1989. Depuis cette date, la maquette sert de laboratoire en plein air. Ricci joue le rôle de Brunelleschi et ses étudiants en architecture lui servent de main-d'œuvre. Ricci est persuadé que son approche est la seule qui permette de répondre aux questions restées sans réponse depuis la Renaissance. Je suis le seul à avoir compris la nécessité d'une maquette à grande échelle pour comprendre en profondeur ses secrets. Aujourd'hui, l'expérience de Ricci en est à un tournant. Les murs, d'un poids de 400 tonnes, commencent à s'incurver vers l'intérieur. Et il se peut qu'ils s'effondrent. Il deviendrait donc trop dangereux pour les étudiants de poursuivre l'expérience. Pour comprendre le dôme, on doit comprendre le travail des maçons. Ce serait fou de passer à côté. Ce serait une erreur fondamentale. Cenzo, pousse-le un peu à gauche. Voilà, ça suffit. À l'époque, il n'y avait ni mesure au laser, ni modélisation numérique, ni plan détaillé pour guider la mise en œuvre. Les bâtisseurs contrôlaient l'avancée des travaux au cordeau. Massimo Ricci est persuadé que le secret du dôme repose sur la façon particulière dont Brunelleschi a utilisé ses cordes pour déterminer l'emplacement exact de chaque brique.
L'échelle de la maquette de Ricci est au 1/5, mais suffisamment grande selon lui pour vérifier sa théorie sur le dôme. Je me dis souvent que pour les chercheurs, face à une personnalité aussi mystérieuse que celle de Brunelleschi, la tentation est grande d'essayer de se mettre à la place de l'artiste, de voir par ses yeux, de penser comme lui. Percer le secret du dôme, c'est percer celui de Brunelleschi. Et la quête de ce secret commence juste avant la Renaissance. À l'aube du XIVe siècle, une compétition fait rage entre Florence et d'autres cités-états en plein essor dans le nord de l'Italie, comme Sienne et Pise. Chacune essayait de surpasser les autres en construisant des cathédrales de plus en plus grandes. Les Florentins sont très créatifs. Ils ont aussi l'esprit de compétition. Et ça veut dire aussi qu'ils aiment bien faire ce que personne n'a fait avant eux. C'est pourquoi ils ont décidé, puisque d'autres villes de Toscane et d'Italie avaient de plus grandes églises que la leur, d'entrer dans la course et surtout de les dépasser. En 1293, le gouvernement de Florence réunit une commission pour superviser la construction d'une nouvelle cathédrale. Ils la veulent différente de toutes les autres. Les Florentins n'aiment pas les cathédrales gothiques qui surgissent aux quatre coins de l'Europe depuis une centaine d'années. Ils les trouvent surchargées avec leurs arcs boutants et leurs multiples clochers pointus. Ils préfèrent s'inspirer de la Rome antique et en particulier du Panthéon. Le temple qui rendait hommage à tous les dieux romains, célèbre pour sa coupole en maçonnerie à nul autre pareil. Malheureusement, cette technique de construction s'est depuis longtemps perdue. À cette époque, on pensait que l'architecture des Romains était inégalable. Mais les architectes de Florence sont bien décidés à relever ce défi. Tout au long du XIVe siècle, le projet de cathédrale ne cesse de s'étendre, de plus en plus long, large et haut. Et les ambitions de la commission commencent à dépasser ses moyens. Ils se trouvaient face à un vrai problème. Parce qu'en agrandissant l'église, ils augmentaient la taille de l'intersection de la nef, entre les deux transepts. Comme toutes les cathédrales, Santa Maria del Fiore a la forme d'une croix. Plus grande est l'église, plus grande est la surface à couvrir au-dessus de l'autel. Ils ont édifié un espace qui mesurait plus de 43 mètres de large. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il nous serait difficile de couvrir une telle surface. À l'époque, cela semblait relever de l'impossible. Une fresque décrit la cathédrale bien avant qu'elle soit construite et montre ce que la commission avait en tête. Un dôme gigantesque à 8 pans. Sans aucun doute, ce devait être spectaculaire. Le seul problème, personne ne savait comment le construire. Qu'y a-t-il de si compliqué à construire une coupole pour cette cathédrale? Après tout, un dôme n'est qu'une arche en rotation à 360 degrés. Les tailleurs de pierre font ça depuis une centaine d'années. Comment s'y prennent-ils? Au Moyen Âge, on utilise des cadres en bois pour soutenir la maçonnerie jusqu'à la mise en place de la clé de voûte, les deux arcs poussant l'un vers l'autre pour assurer la tenue de l'ensemble. C'est ce qu'on appelle le cintrage.
Si on veut construire une voûte, on fait ce support de bois sur lequel on empile les pierres et on attend que la maçonnerie prenne. Puis on fait un signe de croix, on enlève le cadre et on se sauve à toute vitesse parce qu'il y a 50% de chances que ça s'effondre. Malheureusement, ce procédé ne peut pas fonctionner à Florence. La fabrication d'un cintrage en bois pour la cathédrale aurait été d'une taille sans précédent et hors de prix. La surface à couvrir était tellement large et haute que le cadre de bois aurait nécessité des centaines d'arbres, des années de construction et une fortune. À moins d'une solution miracle, la coupole allait rester inachevée. Ce qui me paraît extraordinaire, c'est d'entreprendre un chantier alors que vous savez pertinemment que vous n'avez pas la technologie pour le terminer. À la naissance de Brunelleschi en 1377, la cathédrale est déjà en construction depuis 80 ans. Et aucune solution n'est en vue pour sa couverture. Dans sa jeunesse, Brunelleschi ne reçoit pas de formation d'architecte ou de tailleur de pierre, mais il apprend un métier qui prospère toujours à Florence, l'orfèvrerie. C'est une voie que vont suivre beaucoup d'artistes après lui, comme Donatello ou Léonard de Vinci. Il fait ses débuts à 14 ans dans l'atelier d'un ami de son père et va rester apprenti jusqu'à 17 ou 18 ans. Il acquiert là toutes les techniques de la tradition florentine. Aujourd'hui, cela nous semble une drôle de façon de s'initier à l'architecture. Mais au XVe siècle, c'était encore la meilleure formation pour devenir architecte, sculpteur ou créateur en général. Ils travaillaient l'or et l'argent et se servaient de leur intelligence autant que de leurs mains. Ils s'efforçaient de créer des objets à la fois fonctionnels et beaux. Brunelleschi fait parler de lui pour la première fois en 1401. À 23 ans, il participe au concours qui va désigner le nouveau décorateur du plus illustre monument de Florence, le baptistère. Depuis des siècles, on y baptise les plus célèbres Florentins, comme Dante et les Médicis. Et ses portes ont besoin d'un nouvel ornement de bronze. Filippo Brunelleschi, ambitieux et sûr de son talent, se lance dans la compétition. C'est une compétition artistique des plus prestigieuses pour un ouvrage que tout le monde va pouvoir admirer et qui va immédiatement générer la gloire de son auteur. Il parvient à la sélection finale en concurrence avec un autre débutant, Lorenzo Ghiberti. L'épreuve finale consistait en la création d'un bas-relief. Chacun recevait la même quantité de bronze, charge à lui de faire ses preuves. Ils ont créé deux panneaux qui, par chance, nous sont restés. Dans ces deux compositions, on voit une confrontation entre le style classique de Ghiberti et l'amorce de la Renaissance de Brunelleschi. L'Abraham de Lorenzo Ghiberti est très beau. Il porte une longue barbe bouclée, des cheveux flottants. La scène est riche en détails. Celui de Brunelleschi est d'un incroyable humanisme. Et c'est déjà nouveau. Regardez la façon dont Abraham va tuer son fils. Alors que celui de Ghiberti est suspendu dans son geste avec le couteau et son fils presque prêt à se faire poignarder, celui de Brunelleschi a saisi son fils à la gorge. Et vous pouvez voir
qu'il a placé sa main sur l'artère pour étourdir l'enfant, parce qu'il ne voulait pas que son fils ait mal. C'est une création d'un génie inimaginable. Et c'est ce qui fait de Brunelleschi un artiste. C'est toute la différence que la Renaissance a apportée à l'art du XVe siècle. C'est ça l'apport de la Renaissance. Les deux panneaux sont des chefs-d'œuvre. Mais la création de Brunelleschi est sans doute trop en avance sur son temps. C'est Ghiberti qui l'emporte. Il va sans dire que sa défaite l'a profondément blessé. Et sans doute a-t-elle eu une influence sur sa future carrière. Qu'il ait compris ou non pourquoi il avait perdu, Brunelleschi devait se trouver une nouvelle voie à explorer. À la suite de cette épreuve, Brunelleschi, dépité, quitte Florence. On ignore ce qu'il a fait les 15 années suivantes, mais il les a probablement passées à Rome à étudier les monuments antiques. On pense que c'est dans le but de se préparer à la construction du dôme de Florence. Dans le parc des environs de Florence, les travaux de Massimo Ricci en sont à une étape clé. À ce niveau, la solidité des murs va devoir faire ses preuves. Et Ricci s'inquiète de la sécurité pour ses étudiants. Une nouvelle équipe arrive alors en renfort. Bonjour. Bonjour. Ce sont tous des maçons qualifiés venant des États-Unis. Enchanté. Dave Wysocki. Don Hunt, enchanté. Eh bien, ça commence ici. Ils sont tous membres de l'Institut international de maçonnerie qui forme les artisans aux différentes techniques. Bien sûr, il faut quelques ajustements dans les mesures. Un demi-pouce à l'arête de la brique. Ici, on parle pas en pouces, mais en millimètres. Ah oui, pardon. Ils ont tous plus de 20 ans de métier et ne visitent pas Florence pour sa cuisine ou ses monuments, mais pour aligner des briques. C'est parfait comme ça. Les maçons se font une idée de la structure de base de Brunelleschi. Les 8 angles du dôme, là où les murs se croisent, forment l'ossature de la coupole. Ce sont des arches puissantes qui se rejoignent au sommet. Avec les arches intérieures plus petites, elles assurent en grande partie le maintien de la masse de 37 000 tonnes. À la base, ce sont 4 arches gothiques qui s'élèvent comme ça. Si vous prenez cette arête, sa symétrique de l'autre côté va monter comme ça. Ça donne donc une série de 4 arches gothiques qui se croisent au milieu. C'est la clé de l'ensemble. L'étude de la maquette place les Américains face au mystère du dôme. Avant que les pans inclinés se rejoignent au sommet, qu'est-ce qui les empêche de s'effondrer? De quel artifice Brunelleschi s'est-il servi pour défier la gravité? J'ai construit des tas de grands bâtiments, comme des stades, mais je n'ai jamais travaillé sur un chantier pareil. On se sert de toutes sortes de techniques pour maintenir les arches en place. Et quand c'est terminé, on retire les soutiens. Mais ici, c'est une structure autoportante. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Il va leur falloir littéralement apprendre les ficelles du métier pour comprendre la théorie de Ricci. Ils sont vraiment super. En 1418, plus de 120 ans après le début des travaux, la gigantesque cathédrale est presque terminée.
est la plus grande au monde, mais sans coupole, elle risque d'être la risée de toute l'Europe. Les Florentins en étaient soucieux. C'était un sujet de conversation permanent. Ils couraient le risque de paraître ridicules vis-à-vis de leurs rivaux. Ils en étaient arrivés au point où ils ne pouvaient plus dissimuler leur projet pour finir la construction. Alors ils ont à nouveau lancé un appel d'offres pour la couverture du dôme. Toute proposition serait bienvenue. Ils ne savaient plus comment faire. Les propositions affluent, mais toutes ont en commun d'utiliser des étais en bois pour soutenir la construction de la maçonnerie. Un seul candidat propose une structure autoportante. Filippo Brunelleschi. Il explique à la commission son projet de dôme qui tiendrait tout seul, même en s'incurvant vers l'intérieur. L'avantage financier est indéniable. Mais qu'est-ce qui garantit que les murs ne vont tout simplement pas s'effondrer en cours de construction? Et un autre problème se pose. À 41 ans, Brunelleschi n'a jamais construit quoi que ce soit. Ils en sont là. À l'apogée de cette construction, qui dure depuis 120 ans, ils se demandent qui était cet orfèvre qui leur dit « J'ai la solution et la technique ». Vous lui auriez fait confiance? Moi pas. C'est peut-être précisément cette absolue confiance en lui qui a impressionné la commission. Car par ailleurs, il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il attendait. Brunelleschi devait avoir une vue d'ensemble très claire de la construction, mais il se rendait bien compte que les questions de détail se poseraient à lui au fur et à mesure de l'exécution. Filippo, toujours secret et jaloux de son projet, leur a dit « Je vous révélerai ma méthode quand vous m'aurez confié la tâche. Quand je me mettrai au travail, vous verrez bien que ça marche. » Les autres candidats avaient montré leur plan. Seul Brunelleschi a refusé. Je sais comment m'y prendre et je suis le seul à pouvoir le faire. J'ai étudié l'architecture des Romains. Il faut quand même nous en dire un peu plus, répondirent-ils. Il a donc demandé qu'on lui apporte un œuf. Celui qui pourra le faire tenir tout droit sur une table aura compris comment j'allais m'y prendre. Imaginez tous ces éminents artisans de l'Europe entière en train d'essayer de faire tenir un œuf droit sur sa base. Ils ont tous échoué. Ils rendent l'œuf à Brunelleschi et lui demandent de s'expliquer. Vasari, qui rapporte l'anecdote au XVIe siècle, emploie un terme vulgaire mais imagé. Pippo ruppe il culo dell'uovo. Pippo, le diminutif de Filippo, a cassé le cul de l'œuf. Ses adversaires ont répliqué qu'ils auraient pu en faire autant. Sans doute, leur répondit-il. Et vous seriez aussi capable de construire cette coupole si vous saviez ce que je sais. 17 ans plus tôt, son projet d'avant-garde lui avait coûté la première place pour les portes du baptistère. Cette fois, il veut garder le secret le plus longtemps possible. Aurait-il révélé son secret, que personne ne l'aurait compris. Tout reposait sur un agencement très particulier des briques entre elles dont il allait se servir pour les murs internes. La commission rend sa décision en avril 1420. Trois candidats sont retenus, dont Brunelleschi et son ancien rival Ghiberti. S'il a connu le doute, ça a dû être à ce moment-là. Parce qu'enfin, il prenait la mesure de la tâche qu'il attendait devant ce gouffre béant. Il a dû déglutir et se demander, vais-je être à la hauteur? Brunelleschi se fait vite remarquer en remportant la première épreuve.
élever les matériaux de construction à une hauteur de plus de 50 mètres. À l'époque, la technologie nécessaire n'existait pas. Le seul engin de levage connu était la rotamania, une sorte de roue en bois qui ressemblait à une cage à hamster, qui était mise en mouvement par des humains. En tournant, la roue faisait s'enrouler une corde qui soulevait la charge posée sur une plateforme. Brunelleschi se rend bien compte que cet appareil désuet ne convient pas à un chantier d'une telle ampleur. Aussi invente-t-il un palan actionné par des bœufs plutôt que par des hommes pour soulever les charges. Là, on est vraiment face à Brunelleschi, l'ingénieur, l'inventeur. Ça fait tourner une roue qui entraîne un axe vertical, qui, à son tour, met en mouvement une série de roues dentées. Les bœufs tournent toujours dans le même sens, et peu à peu, la charge s'élève. Mais Brunelleschi se rend compte qu'il est aussi important de monter des charges que de pouvoir en redescendre. Aussi invente-t-il le premier engrenage réversible. Le fait que les animaux tournent toujours dans le même sens fait gagner du temps. Les matériaux s'élèvent et redescendent selon celle des deux roues horizontales qui s'enclenchent dans la roue verticale. Quand on a besoin de monter, c'est la roue du bas qui s'engage. Et pour descendre, c'est celle du haut qui se place dans l'engrenage. En changeant simplement la roue motrice, on peut changer le sens de l'attraction, de bas en haut ou l'inverse. Et les bœufs peuvent tourner toute la journée dans le même sens, soulevant ou abaissant les charges au besoin. 3000 ans de génie civil n'étaient jamais arrivés à ça. Il a repoussé des limites jamais franchies. Brunelleschi a été le premier à faire ça. Brunelleschi a résolu la question du levage de 37 000 tonnes de matériaux de construction. À présent, l'orfèvre se trouve face au problème de jointer les 8 gros murs qui vont constituer la coupole. Alors que les murs s'élèvent, Florence retient son souffle. Vers 1425, selon le plan prévu, les parois commencent à s'incurver. Sans cintrage, l'opération entre dans une zone inconnue. Les méthodes traditionnelles n'ont plus cours. La plupart des murs sont montés en alignant les briques les unes après les autres et couche par couche. Russell Gentry, professeur à l'Institut technologique de Géorgie, s'est penché sur l'œuvre de Brunelleschi. Si Brunelleschi avait construit ses parois telles que vous les voyez, il y aurait des alternances de couches de briques et de ciment, avec des rangées bien séparées de ces briques et de ce ciment. Le ciment étant plus fragile que la brique, on peut craindre que la gravité aidant, une fissure se produise dans une des couches de ciment, entraînant toute la maçonnerie vers la chute. Le moment est venu pour Brunelleschi de révéler ses secrets. À ce point de la construction, un support quelconque était toujours nécessaire. C'est là que Brunelleschi s'est servi de l'assemblage de briques qu'il avait lui-même inventé. Dans cette nouvelle méthode, les lignes de briques horizontales sont entrecoupées par d'autres posées à la verticale. Au lieu d'aller droit, les lignes zigzaguent.
On peut le voir encore aujourd'hui, dans l'espace entre les deux dômes, sur quelques murs qui n'ont pas été plâtrés. En italien, cet assemblage s'appelle spina pesce, littéralement en arête de poisson. On va avoir du poisson à dîner. La disposition en arête de poisson est encore plus visible dans la coupole de Ricci. C'est une technique que les maçons américains vont vite acquérir. D'accord, parfait. Ils doivent dresser les briques verticales en premier pour faire les arêtes. Les briques horizontales sont ensuite couchées entre elles. Malgré leurs années d'expérience, les Américains n'ont jamais vu ça. Ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons. Cette technique est vraiment étonnante. Les briques verticales verrouillent les zones de faiblesse du mortier et empêchent de longues sections de se fissurer et de glisser avant de s'effondrer. Si vous empilez les briques toujours à l'horizontale, en inclinant peu à peu les rangées, vous créez des points de rupture, des plans qui peuvent se séparer et glisser. Ici, il n'y a aucune rupture. Tout est lié ensemble des millions de fois. La technique en arête de poisson est tellement inédite que Brunelleschi doit convaincre les autorités religieuses et les maçons de lui permettre de l'utiliser. Encore une fois, il va à l'encontre des conventions. Mais c'est aussi la vie des ouvriers qui est en jeu. Ils travaillaient à près de 70 mètres au-dessus du vide. S'ils chutaient, c'était la mort assurée. Brunelleschi devait s'assurer de leur confiance et eux être sûrs que Brunelleschi savait ce qu'il faisait. Brunelleschi a donc forcément fait quelque chose pour les rassurer sur sa nouvelle méthode. Mais quoi? La réponse se trouve peut-être dans ce bâtiment, juste à côté de la cathédrale, à l'ombre même du dôme. On y a construit un théâtre au 19e siècle qui sera transformé en parking plus tard. Alors que débutent des travaux pour construire une nouvelle aile au musée de la cathédrale, les archéologues dégagent des centaines d'années de gravats et découvrent un trésor enfoui. Ce qui ressemble à un puits pourrait être une construction autoportante du 15e siècle, les restes d'une coupole. Et pourquoi pas de la main de Brunelleschi lui-même. Francesco Gurrieri, de l'Université de Florence, supervise la découverte. Voici la fameuse petite coupole. On l'a découverte en novembre 2012. Et c'était tout à fait inattendu. Le haut de la coupole a disparu, mais il reste l'amorce des murs incurvés. La base est en grès. La maçonnerie ne commence qu'au tiers de la hauteur, ce qui correspond au plan du dôme de la cathédrale. Et les couches de briques reproduisent le système en arête de poisson. Ayant reconnu l'arête de poisson, ça m'a interpellé. Et j'ai tout de suite fait la relation avec Brunelleschi. Et vous croyez que Brunelleschi a montré ça et a dit « Voici comment je vais m'y prendre. Voici mon secret pour construire le dôme. » Oui.
À mon avis, il s'en est probablement servi pour expliquer l'intérêt de l'arête de poisson. La tecnologia della spina pesce. Yes, oui, je crois que c'est sa maquette. Mais il y a une différence évidente dans la nouvelle découverte. Elle est cylindrique, alors que les murs de la cathédrale forment un octogone. Cependant, les apparences sont parfois trompeuses. Brunelleschi s'est servi de l'arête de poisson pour créer une spirale continue de forme octogonale. Ici, vous voyez un des coins du dôme de Ricci. Après la cornière, on voit la couche de base de la maçonnerie. Et en montant, l'appareil en arête de poisson. Si vous regardez attentivement, ce qui commence ici s'enveloppe en montant, derrière le coin, sans interruption, d'un pan à l'autre du dôme. En posant simplement certaines briques à la verticale, Brunelleschi invente un nouveau schéma et répond à deux impératifs. Il empêche les fissures de se propager et solidifie les huit pans en une forme unique. La spirale résiste bien mieux aux poussées qu'un dôme constitué de huit faces. L'arête de poisson pourrait bien être le secret de la solidité du dôme. Mais la construction de la coupole implique bien d'autres secrets. Certains ont été découverts par les maçons américains au contact de Massimo Ricci. Regardez ça, c'est d'un seul morceau. Après avoir passé deux semaines sur le chantier, ils vont visiter l'original. Le dôme intérieur est entièrement recouvert de fresques. Wow. L'espace entre les deux coques ne montre que des fragments des éléments clés. Il s'agit d'une nervure d'angle. Je ne me trompe pas. Oui, oui. Ce serait une nervure intérieure, alors. Le plâtre ne révèle que quelques plaques de maçonnerie à nu. Comme vous pouvez le voir, c'est un bon exemple de spina pesce. C'est incroyable. Impressionnant, non? C'est sûr. On n'a pas à se plaindre avec notre petite maquette au 1/5 qui ne mesure que 3 mètres de haut. Non. En redescendant, les ouvriers remarquent quelque chose qui a jusqu'ici échappé aux yeux des experts. Vous voyez ça? Vous voyez comme ça remonte vers les coins, comme dans le modèle? Vous voyez? Oui. Ça, c'est l'arche horizontale. Les couches de briques s'incurvent à partir des côtés vers le milieu des murs. C'est la taille colossale du dôme qui empêche de le remarquer. Mais les Américains en comprennent la signification avec le modèle réduit de Ricci. Ce qui est important est à peine visible dans le dôme de Brunelleschi, mais on le voit clairement dans la maquette de Ricci. Le haut des murs ne suit pas une ligne droite, mais une courbe interne d'un coin à l'autre. Au sein de chaque paroi, cela crée une arche inversée, l'une des formes les plus stables en architecture. Ces arches, associées à l'appareil en arête de poisson, gardent les briques fermement en place. Elles conduisent le poids vers le bas des murs et les empêche de s'effondrer vers l'intérieur. C'est un dessin audacieux. Ricci a mis des années à comprendre comment Brunelleschi l'a mis en place, comment il s'est assuré que les murs allaient parfaitement se rejoindre à 90 mètres de hauteur. Ricci est persuadé que la réponse se trouve dans l'utilisation du cordeau, dont les bâtisseurs de la Renaissance se servaient pour mesurer leur travail. Si Ricci parvient à comprendre comment Brunelleschi utilisait ces lignes, il percera le secret le plus important.
Il sait que les cordeaux devaient être attachés à la plateforme qui constituait la base du dôme. Mais selon quel schéma ? Brunelleschi n'ayant laissé aucune trace écrite, nulle part, j'ai dû chercher par moi-même. Ricci se met à réaliser des centaines de croquis pour découvrir le secret de Brunelleschi. C'est alors qu'il entend parler d'un document vieux de 600 ans, détenu par les archives. C'est un dessin sur parchemin, réalisé 5 ans après le début des travaux du dôme, et c'est la seule trace d'un témoin direct de sa construction. Mais c'est aussi une critique sévère de la technique de Brunelleschi. Giovanni D'Aprato y détaille les prétendues erreurs qui vont, selon lui, conduire à l'effondrement de la coupole. Il essaie véritablement de mettre en pièces le travail de Brunelleschi. Mais en réalité, Giovanni D'Aprato n'y comprenait pas grand-chose. À vrai dire, absolument rien. D'Aprato n'a peut-être rien compris à la technique de Brunelleschi, mais il a été scrupuleux dans ses observations. Il a tracé fidèlement les cordeaux qui guidaient la construction. Mais plus précieux encore pour Ricci, il a dessiné la plateforme d'où ces lignes partaient. Et voici que Ricci remarque quelque chose d'inhabituel. Une ligne en forme de rosace qui court le long de cette plateforme. Il y voit la clé du système de Brunelleschi. Quand j'ai vu ce motif en forme de fleur, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé. Ricci fait reproduire la rosace sur la plateforme de sa coupole afin de guider l'élévation de chaque mur. La technique du cordeau est une fois de plus utilisée et les Américains comprennent vite le système de Ricci. Sur la plateforme, un des ouvriers relie une corde à la rosace. Un autre tend l'autre extrémité en haut d'un des murs. La ligne tendue indique l'angle et la hauteur des briques. Vous voyez ? Tu peux la maintenir une seconde ? Concentrez-vous sur la ficelle que je fais bouger, celle que Bob tient. Elle détermine la position de la spine à pêcher. C'est là-dessus que nous nous basons. C'est là que la forme en rosace révèle son importance. En suivant son contour, la ficelle transmet ses courbes aux 8 parois. Ce qui crée des arches inversées. Aussi solides que soient les murs, c'est leur jonction au sommet qui fait que le dôme tient debout. Une petite erreur de calcul, répétée des milliers de fois, et c'est la catastrophe. Ça, c'est l'angle. Et si vous montez, vous devez le respecter jusqu'en haut. Si l'angle n'est pas bon, quand le dôme approche du sommet, les murs ne vont pas se rejoindre au milieu. La coupole sera penchée d'un côté ou de l'autre. Comment Brunelleschi pouvait-il savoir que sa coupole était sur la bonne voie ? Grâce aux lignes de cordeaux. En se croisant, elles marquent le centre de l'édifice. Chaque corde doit passer par ce centre pour indiquer l'emplacement des briques. Et brique après brique, les murs se sont élevés pour se rejoindre à 90 mètres du sol. Le dôme était achevé. Pour Massimo Ricci, ce sont sur ces cordes que repose le secret du dôme.
J'affirme que c'est la clé du mystère de Santa Maria del Fiore. C'est son secret. Après deux semaines de travail sur la coupole de Ricci, les Américains semblent convaincus par son hypothèse. C'est forcément comme ça que ça a été fait. C'est la seule solution. Sans soutien par en dessous. C'est la seule façon. La rosace et la maçonnerie en arête de poisson, voilà les deux clés du mystère. Il aurait été impossible de construire un tel dôme sans ces deux techniques. À ce jour, Massimo Ricci a passé plus de temps à travailler sur le dôme que Brunelleschi lui-même. Sa maquette va demeurer un laboratoire à ciel ouvert pour ceux qui étudient le travail de Brunelleschi. Mais il est possible que Ricci, au contraire de son illustre prédécesseur, ne voit jamais son travail achevé. Si on se réfère à l'époque de sa construction, de 1420 à 1436, 16 années, ce n'est rien. C'est même très rapide. C'est extraordinaire de se dire qu'il l'a vu terminé. Il a pu le contempler et se dire « Je l'ai construit. J'ai réussi. » Avec ce dôme, Florence a pris un cap résolument moderne. C'est le symbole d'une cité nouvelle, d'un nouveau monde. C'est l'expression d'une confiance en soi sans limite. Si l'homme a besoin de chefs-d'œuvre qui lui parlent d'idéal, le dôme de Brunelleschi est peut-être le plus grand de toute l'histoire de l'art. Thank you.